Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fossoir08. On va essayer Star Wars Squadron. Jeu PS Plus du mois de juin 2021. Voilà. Et je suis sur PS5 pour ceux qui veulent savoir. Allez, on va appuyer sur une touche pour commencer. Touc. C'est parti. Après destruction d'Alderaan, le pilote de l'Alliance Rebelle combat pour la liberté de la galaxie. Pendant ce temps, les pilotes Ti Intrépide appliquent la volonté de l'Empire Galactique. Pensez au petit pouce bleu, partagez et abonnez-vous avec la cloche pour les nouveaux. Ah ah! On peut choisir le camp. Ah, les rebelles ou l'impérial. Ah. Oh, on va prendre les rebelles. Oh, on peut faire les personnages en plus. Oula. Ah, on peut lui faire tourner la tête. Non. En bleu, ah oui, oui. Et c'est vrai qu'il y a des races comme ça dans Star Wars. Oh, mais celle-là a une belle balafre. Allez, pilote humain. Ah, on peut choisir homme ou femme. Ouais, femme. La victoire m'appartiendra. Victoire facile, droit devant. Victoire facile, droit devant. Ah. Le meilleur choix. La voix me fait penser à je sais pas qui. Bon choix. J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Nous allons ramener l'ordre dans la galaxie. S'ils veulent la guerre, ils l'auront. Ils vont rien comprendre. Ils vont rien comprendre. Ne sous-estimez pas la patience et la précision. Je vais mettre tacticienne. Allez. C'est quoi? Non. Changer de nom. Ah ben. Avec la majuscule. Hein. Yep. Hop. Accepter. Accepter. Ah ben j'ai fait. Voilà. Recommande des paramétrages. Active les éléments d'aide de l'ATH à votre disposition, comme votre objectif actuel, l'emplacement des amis et des ennemis, etc. Instrument. Oh, je vais mettre le standard. Allez. Alors, mode histoire, de toute façon, c'est ce qui vous intéresse le plus. Allez. Création du pilote dernier. Voulez-vous commencer l'histoire solo? Remarque, votre progression sera sauvegardée automatiquement de façon régulière. Bah oui. De toute façon, on fait des histoires. Allez, c'est parti. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Alderaan a choisi la destruction. Ils ont incité à la rébellion et à l'anarchie. Et en ont payé le prix. Les survivants continuent de semer la dissidence. Trouvez-les. Ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas complètement détruit Alderaan. Wow. Oh là là. DSI, vigilance. Après la destruction d'Alderaan.
Oh, les graphismes. Les ordres du Seigneur Vador sont clairs. Vraiment ? Oui, éliminez tout ce qui reste d'Alderaan. Comment ? Je croyais que les survivants se cachaient. Les rapports de renseignement signalent un convoi alderaanien en direction de Porphostar. Vous devez l'attirer et l'éliminer. Est-ce que c'est compris, capitaine ? Parfaitement, commandant Sloane. C'est tout, merci. Il n'aime pas ses ordres. Ah, les T-Fighters. Capitaine James. T'es prêt, lieutenant Kirill ? L'escadron est en route. Ils ont hâte d'exécuter les ordres du Seigneur Vador. Et vous ? Pas d'état d'âme à chasser des réfugiés d'un monde détruit par nous ? Lors du soulèvement d'Iskallon, vous m'avez appris à ignorer la propagande. Ce sont des traîtres, pas des réfugiés, et ils seront traités comme tels. J'ai préparé notre équipement Sigma 9 habituel. Non. Que les TIE standards aujourd'hui. On vole à l'ancienne, alors ? Ça pourrait être un vrai défi, après tout. Voler à l'ancienne. Vous m'écoutez peut-être ? Mais vous ne me comprenez pas. On va bien voir. Suivez-moi. Et ne tirez que sur mon ordre. Le convoi est bien là-bas. Ne leur faisons pas peur. Faisons ça bien. Une nouvelle victoire est proche. Préparez-vous à décoller. Ah. Pour regarder à droite à gauche. Comment on avance ? Ils vont peut-être le dire. Vérification d'avant-vol. Pilote, démarrez les systèmes de votre cockpit. Ça marche. Appuyez sur S pour démarrer les systèmes. Beaucoup système de boutons. Opérationnel. C'est quoi les sons à droite sur l'écran bouclé ? Avant vol terminé. Décollons proprement. Suivez mon chasseur. Appuyez sur L2 pour cibler un vaisseau devant vous. Capteur avant en ligne, traçage activé. Maintenant plein gaz et déployez-vous hors du hangar. Ah, c'est elle. D'accord. Ah, voilà. Je stick trop pour tourner. Oh, le reste de la flotte est de retour de Malastar. Nous aurons le coup, je peux accélérer. Accélérer. Oh lolo. Ah, par contre, les radis nous enlèvent pas mal. Il faut éviter les collisions. Ah, comme ça que ça m'a l'air. D'accord. De l'intérieur, on oublie à quel point nos destroyers stellaires sont imposants. Attention, les boucliers ne nous font rien, mais vous laissez près de la coque requiert une grande prudence.
mon vieux temps. Les chasseurs TIE ont un petit quelque chose de très direct. Nos ennemis savent à quoi s'attendre. Oh là là. On dirait que quelqu'un teste les formations de combat. Mieux vaut ici que sur le terrain. Gardez-vous distance, Félix. Ces moteurs sont assez chauds pour vaporiser un TIE. J'ai connu quelques casse-cou qui l'ont découvert. À leur dépens. Les pilotes TIE repoussent les limites. Parfois les limites ripostent. On voit bien côté des vaisseaux. Graphiquement, c'est super. Bien. Tous les systèmes sont calibrés et la flotte est en bon état. Le vigilant signale que notre transporteur Kozanti est prêt. L'escadron Helix, amarrez-vous au Kozanti pour le saut dans l'hyperespace. Oui. Amarrez-vous. Alortissez sous le Kozanti pour que ces amarres puissent s'accrocher. Voilà, juste mettre en dessous et ça se met automatique. Inversé et personnalisé aux commandes de vol. L'escadron Helix amarré est prêt pour l'hyperespace. N'oubliez pas, Helix, nous aurons de l'aide, mais ce sera à nous de trouver le convoi de réfugiés. Ils n'échapperont pas deux fois à l'Empire. Alors. On va passer en hyperespace. Oh là là. Et j'aimerais bien passer au combat quand même. Port Foustar, peut-être le comptoir commercial le plus isolé de ce secteur. C'est un port pour pirates et voleurs. Sur le capitaine. Si les réfugiés se cachent ici, ils ne sont pas aussi innocents qu'ils le prétendent. On va chercher des réfugiés. Mise en place des transporteurs. Le blocus se forme. Notre arrière-garde est en sécurité au moins. Intéressant. Il y a beaucoup de trafic aujourd'hui. Alors notre convoi pourra se fondre dans la masse. Oui. À tous les vaisseaux de fret, ici le capitaine Lyndon Jeffs de l'Empire Galactique. Préparez-vous à une inspection immédiate. Ici le commandant de Port Foustar. Je vous prie de ne pas harceler mes clients. S'ils coopèrent, tout se passera bien. Pilote, poursuivez. Ça marche. Vérifiez votre capteur avant. Il repérera les cibles possibles. Ici le centre du capteur sont directement devant. Commencez par ce vaisseau. Pour scanner un objet ou un vaisseau inconnu. Faites-lui face et appuyez sur L2 pour le cibler. Puis approchez-vous. Votre scan commencera automatiquement quand vous serez face à la cible et à moins de 1000 mètres. Attendez, nous avons toujours été loyaux envers l'Empire. Vous voyez, nous sommes loyaux, je jure. Aucun réfugié à bord. Continuez. Pilote, continuez l'inspection et voyez si les réfugiés sont là. Bien, celui-là ensuite. Je paierai ce que vous voudrez, mais confisquez pas mon vaisseau. Je ralentis. Il ne fait pas partie du convoi. Vérifiez un autre vaisseau. Donc, vous ne prenez pas mon vaisseau? Là, un vaisseau tente de s'enfuir d'une simple inspection. On va leur apprendre les bonnes manières. Pilote, activez vos systèmes d'armement. Pilote, suivez-le sur vos capteurs et tirez une rafale juste pour les neutraliser.
Alors voyez s'il cache les réfugiés. Là, arrêtez ce vaisseau. R2 pour tirer les KSVR. Ok, ok. Inspectez-nous, mais arrêtez de tirer. Pas de réfugiés ici, monsieur. Juste des armes de contrebande et un chargement d'épices. Laissez ces contrebandiers à la flotte. On doit rejoindre la station. Pour faire défiler les cibles. Pour distribuer la puissance aux lasers, les lasers rechargeront plus vite et seront plus puissants. Cible détruite. Ah, c'est bouclier, d'accord. Capitaine James, je crois avoir trouvé la cache des réfugiés. On arrive. Pilote, avec moi. Suivre. Voilà. Là pour réparer votre coque. Ah, on le voit où le. Ah, c'est à droite. Défendez-vous si nécessaire. Je m'occupe de chercher les réfugiés. J'ai touché. J'ai eu le problème. Oh là là. Mais. Bouclier ennemi. Certains chasseurs comme les X-Wing ont des boucliers régénérants. Faut d'abord éliminer les boucliers avant de pouvoir endommager leur coque. Suivre lorsque votre réticule de visée passe en blanc à rouge, votre tir touchera la cible. Ouais. Oula, je suis à l'envers moi, non ? Ouais, pour avoir le cible, il faut appuyer sur le X. Sur la station. Le convoi de réfugiés doit se cacher là-dedans.
Trouvez-le. Là-bas. On s'occupera de vous plus tard, commandant de station. Vous attaquez ma station et mes clients, et vous m'accusez ? Saleté d'impériaux. Là, le convoi. Préparez-vous à tirer. Préparez-vous à tirer. Hein? On dirait que j'ai été neutralisé. Tous les systèmes sont détruits. C'était des missiles ioniques. Mais d'où est-ce qu'ils venaient? Désolé, Teresa. Après Alderaan, je ne suis plus capable d'ignorer ce que l'Empire est devenu. Monsieur Lyndon, de quoi parlez-vous? Je me demande de qui vient l'ordre. Je n'ai pas signé pour blesser des réfugiés innocents. Et si les protégés fait de moi un rebelle? Eh bien, qu'il en soit ainsi. Capitaine Jave, d'accord. C'est pas vrai, pilote. Essayez de contourner son blocage. Soyez sur une touche à répétition. Non, pas ça. Rattrapez ce traître. Lieutenant Kirill aux vigilances. Le capitaine Jave aide la rébellion. Envoyez immédiatement des renforts. Appuyez sur la croix de gauche. Pour distribuer de la puissance au moteur, vous gagnerez de la vitesse et de l'agilité. J'espérais ne pas en arriver là. Des missiles, attention ! Vous ne m'arrêterez pas. Oh là là ! C'est sauvé avec les réfugiés. D'accord. Bon. Ah, par contre, les graphismes, je les trouve pas mal. Hein. Si vous les trouvez super, dites-le dans les commentaires. Bon, je vais vous laisser là, tout le monde. Ah là, les XP. Prends juste des nouvelles. Voilà. Merci d'avoir regardé. Pensez au petit pouce bleu, partagez et abonnez-vous avec la cloche. Si vous voulez que je fasse la suite de ce jeu-là, dites-le dans les commentaires. Je ferai peut-être en live le soir. Ok, escadron, écoute avec moi. À plus tard tout le monde.